30 ans, j'étais la reine de l'olive. Personne ne s'en est aperçu. Là, je vide des litres d'huile de vidange sur la tronche des clients et on veut me filer le César de la coiffure. Salon faudra-t-il faire bonjour? Mais moi, je suis habile de mes mains comme un cochon de sa queue. De l'huile de vidange? Mais t'es fondue ou quoi? Et quand tu vas chez le gynécologue et qu'il t'écarte la figue avec ce spéculoos... Et c'est pas parce que tu coiffes l'autre trou du cul de ma mère que t'es coiffeuse. Le trou du cul de ta mère? Mais non, pas le trou du cul de ma mère. Son chien. Le trou du cul de son chien? Ah, le Jeannot, tu sais qu'il a pas inventé le fil à couper l'eau tiède. Mais qu'est-ce que c'est ce nom des touches là-haut? Halt, contrôle, suppresse. C'est un Gestapo ou quoi? Possédée par le dieu de la coiffure, j'étais devenue la madone du peigne, la princesse du chez-soi, l'archiduchesse du bigoudi. Mais qu'est-ce qu'il croit, le monde? Que tu la vois mieux, l'heure, parce que la montre, elle est chère? 10 ans pour de l'huile merdique de vidage? Mais heureusement que c'était pas du champagne qui siphonnait, sinon il se prenait perpète. Il relève la tête et qu'il bascule en arrière. C'est la tête ou la queue? Tout vient au rond-point à qui sait le prendre. Comprenne qui pourra. Moi, j'ai jamais compris. Hein.